vertus braves paysans, que la République enragée appelle du nom de tyran, appelle du nom de tyran, pour venger la foi qu'on outrage, le roi, la reine et leurs enfants. Vous vous battez depuis longtemps, sans moyen que votre courage. Redoublez vos efforts, vous vous battez pour Dieu. Frappez, frappez le monde entier, fixe sur vous les yeux. Le sang de 600 000 Français abreuve ces sillons. 600 000 Français qui se battaient ici il y a près de 200 ans et qui sont morts dans la guerre de Vendée, la guerre civile la plus atroce de l'histoire de France. Les uns pour la République, les autres pour Dieu et le roi. Cette Marseillaise anti-républicaine qui célébrait le roi, la reine et ses enfants, cette Marseillaise insolite qui glorifiait Dieu et la foi, on la chantait alors dans le bocage et dans le marais, on la chantait sur les bords de la Loire et sur les rives de l'océan, on la chantait dans toute la Vendée. Et les Vendéens se souviennent, comme Valentin Roussière. Ce pays a été très longtemps chargé de mystère. On le comprend quand on pénètre dans cette région de bocage. On voit des haies partout. On a l'impression que ce sont des palissades, vous savez, comme dans un camp romain. On a l'impression que le pays est réfractaire, qu'il vous observe, qu'il digère presque ce qui arrive. Il y a des chaînes qui ont des formes étranges, on dirait des gnomes. On raconte l'histoire d'un évêque qui était presque aveugle et qui rentrait à la nuit tombante. Il s'est dit, ce sont mes diocésains, et par la porte de son carrosse, il leur donnait de grands gestes et de bénédictions. Mais il y a quelques années, en abattant ces arbres, on trouvait encore, dans ces arbres qui souvent étaient creux, quelquefois on trouvait des squelettes, et même des squelettes qui portaient des armes. Et sur leur veste, on trouvait encore quelquefois des traces d'un Sacré-Cœur. Que s'était-il passé? Évidemment, c'est là où s'est passé le grand drame national de notre province, de la Vendée, ce qu'on a appelé la Vendée militaire. Qu'est-ce que c'était que la Vendée militaire? La Vendée, c'est une province de l'histoire qui couvre quatre parties du département, au sud de la Loire et à l'ouest de l'océan. Le sud de la Loire Atlantique, le sud du Maine-et-Loire, le nord des Deux-Sèvres et le nord de la Vendée. Ça représente au point de vue frontière 100 km de long de carré, vous voyez, et puis de la population qui y habitait s'élevait sensiblement à 600 000 habitants. Groupés autour de leurs clochers, les Vendéens étaient des paysans comme les autres, ni plus pauvres ni plus riches que les autres paysans de France. Très proches de leurs curés, de braves curés de campagne, des gens du peuple, qui parlaient le patois comme eux. Mais depuis toujours, les Vendéens étaient une race de contrebandiers, de réfractaires, farouchement indépendants, détestant le recruteur qui vous arrache vos fils et vos maris, le gabelou qui vous force à payer l'impôt, et tout ce qui représente Paris, la cour, l'État. Aussi, quand la Révolution éclate en 1789, bien sûr, ils sont d'accord, les Vendéens. Ils envoient eux aussi leur cahier de doléances aux États généraux pour réclamer plus de liberté, plus de justice et surtout moins d'impôts. La Déclaration des droits de l'homme, l'égalité, le droit de propriété, la résistance à l'oppression, bravo. Tous les Vendéens applaudissent, paysans, bas clergés et même petits nobliaux de province. Mais très vite, les choses vont se gâter avec la constitution civile du clergé.
Voilà qu'on veut transformer leurs prêtres en fonctionnaires, les forcer à prêter serment à la Constitution. C'est une hérésie. D'ailleurs, le pape n'est pas d'accord, et leur curé non plus. La plupart refusent de prêter serment et deviennent des prêtres réfractaires. Bientôt, la religion prend le maquis. Dans la campagne vendéenne, on célèbre la nuit des messes clandestines, comme au temps des martyrs. Et une vague de mysticisme balaie le pays. On voit des miracles partout. En 2 ans, tout un peuple se mobilise pour résister à la République sacrilège. 21 janvier 1793, à Paris, ils ont osé guillotiner le roi. En Vendée, c'est la consternation. Dans les châteaux, dans les chaumières, on prie pour le pauvre petit Louis XVII, enfermé dans la prison du Temple. Un mois plus tard, la Convention décrète la levée de 800 000 hommes pour aller se battre aux frontières. La nouvelle éclate un samedi, jour de marché. C'en est trop. À Saint-Florent-le-Vieil, à Cholet, partout, c'est l'explosion. Sans mot d'ordre, sans plan, sans chef, tout le pays se soulève. Du Marais au Bocage, des dizaines de milliers de paysans armés de faux se rassemblent, massacrent les gardes nationaux et les prêtres assermentés. Les jureurs. C'est la guerre sainte, le début d'une nouvelle croisade. On vint enlever nos prêtres, même du Saint-Lieu, brimer la foi des ancêtres, chasser le bon Dieu. Alors du pied des calvaires, quittant leur pâtie, en récitant leur rosaire, nos gars sont partis. Partis pour la guerre sainte, soldats en sabots, sans haine, sans lâche crainte, armés de leur faux. Ils ont d'un geste unanime pris le sacré cœur. C'est l'emblème magnanime qui les rend vainqueurs. Et maintenant, où aller? Que faire? Il leur faut des chefs. Ils en ont bien trouvé quelques-uns parmi eux. Mais ils vont surtout les chercher dans les châteaux où vivent leurs maîtres, de petits nobles qui ont servi dans la marine ou dans les armées du roi, et qui connaissent la guerre, eux, c'est leur métier. Oui, ce sont bien les paysans qui ont entraîné la noblesse dans cette aventure, affirme l'historien Denis Béalet. Ah, mais c'est absolument normal, c'est la vérité absolue, nul ne peut aller contre ça. Ce sont les paysans qui ont choisi leur chef. Commençons par le premier, Jacques Catelineau. C'était un homme qui avait une trentaine d'années, marié, 5 enfants, et qui habitait le Pin-aux-Mauges, petite commune au-dessus de Cholet. Il était voiturier colporteur, après avoir été maçon. On l'appelait le Saint de l'Anjou, car elle était d'une très grande piété. Et cette ferveur religieuse l'a particulièrement bien guidé, car tous les jeunes, les environs, les paysans et les autres, les artisans, l'ont choisi pour chef. Un autre chef, que je ne peux m'empêcher d'admirer, Charles Artus Melchior, marquis de Bonchamp. Bonchamp était aussi un ancien officier d'actif. Il avait servi très durement sous le bailli de Suffren aux Indes. Il était capitaine au régiment d'Aquitaine Infanterie. Il avait épousé Mademoiselle de Sepeau et vivait très paisiblement dans leur propriété, qui était une gentilhommière. Et il avait même, je crois, acheté certains biens nationaux. Donc il était très ouvert, lui aussi, aux idées de la Révolution. Quand il a vu comment les choses tournaient, bien entendu, il ne pouvait pas accepter ces conditions. Et ce sont à nouveau les paysans qui, connaissant M. de Bonchamp, sont venus le chercher, l'ont supplié de se mettre à leur tête. Les autres chefs vendéens, il y avait d'abord Stofflet, Nicolas Stofflet, 40 ans.
célibataire, garde-chasse du comte de Colbert de Maulevrier. Il avait passé 16 ans dans l'armée pour sortir caporal au régiment de Lorraine Infanterie. C'était un être très rude, originaire de Barthélemy-les-Bosmont en Lorraine, mais qui était tout à fait le type de l'excellent sous-officier. Profondément droit, profondément attaché à ses maîtres, à la cause royale, pour Stofflet, il faut le dire aussi, et à la religion, bien entendu. François Athanase Charette de la Contrie avait 30 ans au moment de l'insurrection. Il était dans la pleine force de l'âge, c'était un ancien officier de marine. Il était un farouche défenseur du roi, et il était revenu dans cette région de Vendée parce qu'il avait épousé une parente éloignée. Et il se livrait au plaisir de la chasse, enfin tout ce que l'on peut imaginer pour un gentilhomme désœuvré de l'époque. Les paysans ont beaucoup insisté pour le faire sortir, il n'y tenait pas tellement, il disait « qu'est-ce que c'est que cette révolte ?» Mais quand il a vu qu'il n'y avait rien à faire, il s'est soumis, mais il leur a fait promettre toute obéissance. C'était les gars du Marais, ils avaient choisi Charette car ils savaient que c'était un homme capable de les conduire. Henri de la Roche-Jacquelin avait été à l'école de Sorèze, et il était entré à 16 ans au Royal Pologne. Il avait même participé à la journée du 10 août pour défendre le roi. Et il était revenu dans son château de la Durbelière à Saint-Aubin-de-Bobigné. Henri de la Roche-Jacquelin s'est décidé à partir et c'est là qu'il a prononcé ses paroles célèbres. « Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. » Il avait 20 ans. Et beaucoup d'autres qui ne sont guère plus âgés. Le marquis de Lescure, 27 ans. Le prince de Talmont, 25 ans. L'aîné, le marquis d'Elbé, a 40 ans. Ces aristocrates vont donner un but politique à la révolte des paysans, rétablir la monarchie. Et ils vont faire de ces bandes inorganisées la grande armée catholique et royale. Ils sont déjà plus de 100 000. Pourquoi vous battez-vous ? On est pour le bon Dieu. Et puis, on est pour le roi. On est monsieur notre maître qu'on a dit. Et la République, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ! Ne pas. Pourquoi vous battez-vous ? Nous avons donné un nouveau curé. Il ne nous plaît pas. Mais pas bon. Et la République ? Le père vous en dit. Monsieur Pajot, vous êtes le spécialiste de ces Vendéens. Qui était-il ? Ce chef est issu de la noblesse et il porte un costume mi-parti civil, mi-parti militaire. Il a ses deux bottes à revers qu'on portait dans l'armée sous l'Ancien Régime. Il a une redingote civile et il a son chapeau haute forme. Avec sa cocarde blanche. Il a la tête qui est serrée, ses cheveux sont serrés dans un mouchoir rouge. Les mouchoirs de Cholet. Et c'est à partir de la bataille de Fontenay que la mode vint dans l'armée vendéenne. La Roche-Jacquelin avait commencé à porter ce mouchoir et tous les officiers, ainsi que les hommes, continuèrent à adopter cette habitude. Et les autres soldats ? Alors les autres soldats, on aperçoit là donc les capitaines de paroisse. Ils sont issus de la même paroisse, ils ont été élus par leurs hommes et ils font corps avec eux. Dans les paysans, il y a du bocage et des mauges. Ils prennent tous des chapeaux en feutre, qui était le chapeau pratiquement du dimanche. Et ils portaient alors des costumes en flanelle et en serge, des vêtements qui étaient chauds. D'accord. Tous portaient des sabots ferrés, qu'ils savaient tous faire d'ailleurs. Dès les débuts de l'insurrection vendéenne, les paysans étaient très mal équipés. Ils avaient tous des instruments à ratoir, comme des faux, des fléaux, des fourches. Certains étaient équipés quand même de fusils de chasse. Ils savaient d'ailleurs fort bien se servir de ces fusils. C'étaient d'excellents chasseurs. En 15 jours, cette armée de paysans sans uniforme et sans discipline conquiert toute la Vendée militaire. Rien ne peut l'arrêter. Pendant 2 mois, on a cru qu'on avait triomphé, on a attaqué les villes de la frontière. Ce fut d'abord Fontenay, le 25 mai, Saumur,
Le 9 juin, Angers. Le 22 juin. Et enfin, Nantes, le 29 juin, qui a été un échec parce que le général en chef, Catalino, a été blessé grièvement. À Paris, la nouvelle de l'insurrection de Vendée tombe en pleine tragédie. 93, c'est l'année terrible. La révolution chancelle, la patrie est en danger. Le général Dumouriez, battu par les Autrichiens en Belgique, vient de trahir et de passer à l'ennemi. Et maintenant, l'étranger menace la capitale. C'est pourquoi, explique l'historien François Furet, pour les hommes de la Convention, pour Danton, pour Marat, pour Robespierre, la Vendée, c'est un coup de poignard dans le dos. Oui, la Vendée est psychologiquement plus grave, parce que la Vendée, c'est la... D'une certaine manière, ça met en cause toute l'idéologie révolutionnaire. La révolution, c'est le peuple. Qu'est-ce que c'est que cette insurrection populaire contre-révolutionnaire ? Pour les révolutionnaires, c'est une surprise affreuse et difficile à expliquer. Comment pourraient-ils comprendre, eux qui ont fait la révolution depuis 4 ans, qu'un peuple paysan réclame la servitude ? C'est pour ça, je crois, que la révolution et les hommes de Paris ont du mal à... apprécier l'événement, et s'ils l'apprécient, le regardent tout de suite comme le danger fondamental, parce que c'est le danger qui menace l'unité de la Révolution française. Je dirais c'est le danger qui menace l'idéologie de la Révolution française, c'est le danger qui menace cette immense mythologie républicaine, cet immense message d'émancipation, cette immense flamme de liberté et d'égalité dont ces hommes sont porteurs depuis 4 ans. Ils ont donc simplement comme interprétation, ces paysans sont les jouets du complot clérical et du complot des nobles. Donc une seule arme contre ce complot, la répression. Et la répression sera affreuse, de la même façon que la Vendée mènera d'ailleurs une guerre affreuse. Ce qui est passionnant dans ce début, c'est qu'on voit naître, au fond, les deux grandes mythologies politiques, les deux grandes idéologies politiques de la France du 19e siècle, peut-être du 20e. La Vendée a ses soldats de l'an 2, les soldats de l'an 2 de la monarchie et de la religion, de la même façon que la Révolution a les siens. Au fond, c'est une guerre qui est, d'une certaine manière, plus intellectuellement plus riche et plus intéressante que la guerre étrangère, parce que les guerres étrangères sont des guerres qu'on fait pour son pays. Les guerres civiles sont des guerres qu'on fait pour des valeurs. La Convention n'a que de maigres forces pour lutter contre les Vendéens. Mais dès le mois d'août, elle va pouvoir disposer d'une armée française qui a été encerclée par les Prussiens depuis le printemps à Mayence et qui a capitulé. La clause de capitulation stipule que cette armée pouvait repartir en bon ordre à condition de ne plus se battre sur les frontières. Aussi, la Convention se hâte-t-elle de dépêcher cette armée de Mayence en Vendée. Les Mayençais, tel sera désormais le nom dont on les affublera, font leur apparition en Vendée début septembre. Une armée redoutable, une vraie armée de 16 000 hommes, de vrais soldats, aguerris, disciplinés, bien équipés et commandés par de vrais chefs. Malgré un premier échec à Torfou, ils ont repris en 2 semaines Châtillon et surtout Cholet, la capitale de la rébellion. Installés autour de Cholet, ils attendent maintenant de pied ferme ces armées de paysans qui veulent renverser la République. La République pour laquelle ils se battent depuis 2 ans. La République qui a fait de celui-ci un colonel. Ah, c'est une affaire un peu compliquée. Je me suis engagé volontaire, j'ai été élu par mes camarades, je suis parti comme officier subalterne sur les frontières de la République, et me voilà maintenant colonel ici. Alors qu'est-ce que vous en pensez, alors, de ces Vendéens ? Des brigands, monsieur. Des brigands. Quand je vois des petits garçons comme ça derrière moi, qui sont là, bons républicains, et quand je vois les autres en face, qu'est-ce qu'ils font ? De quoi rêvent-ils ? Ils rêvent de leur Dieu, ils rêvent de leur clergé, ils rêvent de leur noble dans leur château. Mais et l'amour de la patrie ? Qu'est-ce que vous en faites de ça, monsieur ? Pour moi, en face, c'est pas grand-chose, je vous le dis. Alors qu'est-ce que vous allez en faire ? Ce qu'on va en faire, mais on va d'abord les exterminer le plus possible.
Oui, ces Français haïssent d'autres Français qui leur ressemblent comme des frères. Dans cette guerre civile, où deux idéaux s'affrontent, ils se battent pour la ville contre la campagne, pour la patrie contre l'étranger, pour la République contre la monarchie, pour l'avenir contre le passé. Oui, ils savent bien pourquoi ils se battent, les volontaires de 91, les va-nu-pieds de l'an 2. Ce jour-là, le 17 octobre 1793, ils savent que le sort de la République est entre leurs mains, du général au plus petit tambour, qui a 13 ans à peine. Tous les chefs sont là, 8 généraux républicains, des hommes comme Kléber, Marceau, Beaupuis, Westermann, Haxo, mais pour le colonel Michalon du service historique des armées, il n'y avait déjà qu'un seul chef. Si l'armée était commandée officiellement par un certain Léchel, général de division depuis quelques jours, les représentants en mission auprès de l'armée des côtes de l'Ouest avaient décidé dès le 7 octobre que Kléber assurerait le commandement de la division de Mayence. Kléber, un géant, un Alsacien, il a servi comme sous-lieutenant dans les armées du roi et comme capitaine dans les armées d'Autriche. Reparti comme volontaire en 91, il a été promu général pendant le siège de Mayence. Il parle le français avec un accent à couper au couteau. Il a 40 ans. Kléber était un officier valeureux, personnellement courageux et connaissant parfaitement bien son métier. Kléber avait déployé la division de Mayence renforcée de quelques éléments de l'ex-armée des côtes de Brest en demi-cercle sur les hauteurs au nord de Cholet. À l'ouest, entre le château de la Treille et les lisières sud du bois de Cholet, la réserve d'Axo, 1500 Mayençais plus le 109e de ligne, environ 800 hommes. Au centre, Marceau avec la colonne de Luçon. À droite, s'appuyant au château de Bois-Grelot, les brigades de Cherbes et de Vimeux. Couvrant l'ensemble, en direction des Vendéens qui se sont pliés vers Beaupréau, l'avant-garde de Beaupuis est déployée dans la lande de la Papinière. Les Vendéens sont là, tout près, à 20 km. Mais ils sont indécis, explique Jean Brochard. Tous les chefs de la Vendée, à l'exception de Charette, se retrouvent à Beaupréau. Et les principaux, Beaupréau, où s'est rassemblée l'armée après une première bataille à Cholet. Et chacun de ces chefs a un plan à lui. Pour Delbé en particulier, il semble que la position de Beaupréau soit valable, défendable, sur les collines dominant l'Èvre. Un ennui, c'est que cette position peut être tournée. Alors certains insinuent de se reporter de l'autre côté de la Loire, dans des pays amis, où l'on pourra refaire ses forces et peut-être reprendre une marche sur Paris. Folie, disent la plupart. Alors, s'il y a lieu, si on ne change pas de terrain d'opération, pourquoi ne pas changer de mode de guerre? Et c'est Stofflet qui le propose. Pourquoi ne pas fractionner l'armée par bandes pour multiplier les harcèlements contre les Bleus et finalement en avoir raison? L'ennui, c'est qu'à Beaupréau, il y a toute cette foule de familles réfugiées qui sont venues du bocage et que l'on expose au massacre. Monsieur Droirand propose une solution. Se reporter dans le bocage avec ses familles et rejoindre le chevalier Charette de la Contrie et en force reprendre la grande bataille. Et finalement, quel est le plan adopté? Eh bien, c'est celui de M. Henri de La Roche-Jacquelin qui, d'habitude, ne parle pas beaucoup dans les conseils, mais qui a saisi le mouvement de la foule et lui propose « Il faut marcher sur Cholet ». Les batailleurs disaient « J'allons à Paris trêcher le petit roi Louis XVII et je le ramènerai à Cholet pour le faire sacrer. Nous irons à Paris chercher le petit roi Louis XVII
et nous le ramènerons à Cholet pour le faire sacrer. Le matin du 17 octobre, la décision est prise. Mais déjà, dans les rues de Beaupro, l'armée, les batailleurs, savent que l'on va sur Cholet. Et sans attendre les ordres, d'eux-mêmes, tellement est grande leur hâte de prendre la ville, ils s'engagent sur le seul chemin qui mène à Cholet, celui-ci. Voilà, ils arrivent, 40 000 hommes, étirés sur une longue colonne de 20 km. Toutes les paroisses des Mauges, de l'Anjou et du Poitou ont envoyé leurs meilleurs soldats. Ils sont tous là. Delbé, qui vient d'être élu généralissime. Lescure, le saint du Poitou, qui marche à l'ennemi l'épée au fourreau et un fouet à la main. Roiran, l'Hercule qui a tranché la tête d'un cheval d'un coup de sabre à Angers. Stofflet, l'ancien garde-chasse, qui s'est imposé dans cette assemblée de nobles par son courage légendaire. Et marchant à la tête de l'avant-garde, Laroche-Jacquelin, le bel adolescent blond qui est entré le premier dans Saumur, le sabre à la main. Eux aussi, ils veulent en finir. Ils ont remporté victoire sur victoire. Il y a 2 mois, oui, ils auraient pu marcher sur Paris. Mais au soir de chaque bataille, ces paysans rentraient naïvement dans leurs fermes, auprès de leurs femmes et de leurs enfants. Et chaque fois, tout était à recommencer. Aujourd'hui, ils tiennent enfin toute l'armée des Bleus devant eux. S'ils remportent cette bataille, c'en est fait de la République. D'ici à Cholet, il y a environ 3/4 de lieue. Mais il ne sera pas nécessaire d'aller jusque à Cholet pour se battre, car brusquement, les hommes de tête aperçoivent une troupe en stationnement sur la crête, sur la lande de la Papinière. Est enfoncé. Et maintenant en avant, à Cholet. Kléber se préoccupe de la menace que fait peser sur sa retraite par le pont de Cholet l'attaque de la Roche-Jacquelin. Il lance donc dans le flanc droit de la Roche-Jacquelin une contre-attaque d'un bataillon du 109e de ligne. Le 109e de ligne, des soldats de métier qui portent encore l'habit blanc de l'ancien régime. Au milieu de la débandade des Bleus, ils gardent leur sang-froid et s'avancent, tambours en tête, comme à la parade, en entonnant le nouveau chant de guerre de l'armée du Rhin, la Marseillaise. Thank you.
109e de ligne, a brisé l'élan des Vendéens sur l'aile gauche. Mais le sort de la bataille se joue au centre. L'effort principal portait sur Marceau. C'est alors que Marceau, utilisant un stratagème, dévoile son artillerie. Marceau a caché ses canons derrière sa première ligne et il laisse approcher la vague d'assaut de Delbey et de Bonchamp. Mitraille a fauché les batailleurs. Delbey, Lescure et Bonchamp ont été grièvement blessés. Sans leur chef, les Vendéens n'étaient plus qu'un troupeau affolé qui s'est fait massacrer. Les Bleus sont restés maîtres du terrain. Pour la République, c'est la première grande victoire. Mais à quel prix? Les rebelles se sont battus comme des tigres et nos soldats comme des lions, écrit Kléber à Paris. J'ai perdu de ma seule division 14 chefs de brigade et de bataillon, tous mes amis et compagnons d'armes de Mayence. Il est mort, le petit tambour, en criant « Vive la République !» Il avait 13 ans. Il se meurt, le batailleur qui disait « On est pour le bon Dieu et pour le roi. » Il se meurt en récitant le Notre Père. Un mot d'ordre a jailli sur toutes les lèvres. À la Loire, à la Loire. Emportant Bonchamp qui agonise sur un brancard, les Vendéens fuient maintenant vers le fleuve qui est à 60 km de là. Mais que faire des 5000 prisonniers républicains qu'ils traînent avec eux? Pas de quartier, il faut les fusiller. Bonchamp se dresse alors sur son brancard et les supplie de ne pas commettre une telle infamie. Qu'on épargne ces hommes, c'est le dernier ordre que je vous donne. Et il meurt peu après. À la nuit tombée, les voilà tous sur les rives de la Loire qu'ils traversent près de Saint-Florent. De l'autre côté, c'est la Bretagne, où d'autres rebelles, les Chouans, se battent aussi contre la République. On va leur tendre la main et poursuivre la lutte avec eux. De l'autre côté, c'est le salut. Il suffit de gagner un port sur la Manche et la flotte anglaise viendra sûrement les aider. Des dizaines de milliers de paysans, de femmes et d'enfants les ont rejoints. Ils ont abandonné leur village en feu. Ils fuient la Vendée perdue, la Vendée occupée par les Bleus. En deux jours, près de 100 000 personnes, 80 000 hommes, 10 000 femmes et 10 000 enfants ont traversé le fleuve. C'est l'exode de tout un peuple qui refuse la défaite. La Vendée n'est plus en Vendée. Peu importe, la Vendée continue. En 60 jours, ils vont faire 800 km à pied, bousculant tout sur leur passage. À Château-Gontier, à Laval, à Fougères, ils détruisent ce qui reste de l'armée de Mayence. Ils ont pris 10 villes et 100 canons. Les voilà enfin devant Granville, le 4 novembre. Mais où est la flotte anglaise? Elle est en retard au rendez-vous.
Alors ils ne l'attendent pas. Ils font demi-tour et c'est le début de la retraite. Le début d'un long calvaire, poursuivi et massacré par trois armées. Ils perdent 10 000 hommes, femmes et enfants devant Angers, à Ancenis, à Nord, 30 000 encore. 15 000 rescapés à peine arriveront épuisés, affamés, transis sur les bords de la Loire. À chaque halte, nous perdions des amis, des vieillards que nous voyions partir, des pères, des mères que nous voyions tous mourir comme ça. C'était terrible. Puis nous avions faim, nous n'avions pas de pain, nous nous étions réduits à manger des pommes à cidre. C'était mauvais et nous étions tous malades. Et puis la marche continuait, il fallait poursuivre. Pendant les batailles, nous prions beaucoup aussi. Et ce qui était frappant, c'était le silence de cette colonne en marche. On entendait seulement le chapelet. Aucun blessé ne gémissait. Pourquoi est-ce que vous avez fait cette marche? C'était pour défendre le roi et notre religion aussi, contre cette république qui voulait le supprimer et abolir tout ce qui nous était cher jusque-là. Vous l'avez essayé, la république? Oui, je crois que jusqu'au fond de nous-mêmes, nous étions tous contre elle. Dernière étape, Savenay. Enfin la Loire et de l'autre côté la Vendée. Mais les Bleus sont là. Il faut se battre une dernière fois. Encore 8000 tués. Pour les autres, ce sera la fusillade ou la guillotine. Nous fîmes une boucherie horrible, écrit le général républicain Westermann. C'est la fin. La fin de ce périple héroïque que les Vendéens ont baptisé la Grande Virée de Galerne. La fin de la Grande Armée catholique et royale. Tout le monde voulait la paix, personne ne voulait plus la guerre. Et soudain, un ordre politique vient de Paris, exécuté par un général qui a décidé de continuer à exterminer la Vendée, qui ne voulait pas se défendre, avec 12 colonnes qui partaient toutes les frontières de Vendée. Et c'est là où a commencé, en février 1794, une époque hallucinante. Les Vendéens ont été traumatisés par cette période et on a appelé ces colonnes les colonnes infernales. Les Vendéens, qui étaient très catholiques, les comparaient aux souffrances de l'enfer. Alors, ce fut épouvantable. Ce fut un génocide, il y a peut-être eu 200 000 personnes tuées, et les oradours se sont multipliées. Luc-sur-Boulogne est un de ces villages martyrs, victime du terrible décret de la Convention. Il faut incendier le pays, de telle façon que pendant un an au moins, nul homme, nul animal ne puisse trouver de subsistance sur ce sol fanatisé. Le général Thurot a donné pour mission aux colonnes infernales de fouiller et de brûler les forêts, les villages, les bourgs, les métairies. Tous les habitants doivent être considérés comme rebelles. Les ordres sont exécutés à la lettre. Le 26 février 1794, la colonne du général Cordelier est attaquée ici, par les hommes de Charette, près du bourg des Lucs. Deux jours plus tard, à titre de représailles, le quart de la population est massacré. Dans la chapelle des Lucs est conservé le nom des victimes. Une liste interminable de 564 noms. Des familles entières ont disparu ce jour-là, de l'aïeul au nouveau-né. 27 membres de la famille Simoneau, 15 Mercier, 10 Poju, 9 Minot, 7 Bossy. Marie Bossy, 72 ans. Pierre Bossy, 45 ans. Ses fils, Pierre et Jean, 14 ans. Louis, 5 ans. Joseph, 2 ans. François, 7 mois. Le père Huchet a compulsé toutes les archives et il connaît par cœur toutes les complaintes qui évoquent le martyr de son village natal. Oh, ce n'est qu'un exemple entre 100 et davantage des agissements des colonnes infernales. Et toutes les paroisses qui sont avoisinantes ont eu aussi un bon nombre de victimes. Logés, Saint-Sulpice, Mormaison, et Saint-Colombin, la Limousinière, pour ne parler, Tout Voix,
On ne parlait que des paroisses qui sont pas loin d'ici. Les colonnes infernales meutent de démons promènent leurs saturnales dans tous nos cantons. Bientôt la horde inhumaine vers les lucs descend. On suit les énergumènes aux traces de sang. Alors c'est la chasse à l'homme à travers le bourg. On incendie, on assomme tout le long du jour. On se jette sur la foule qui prie à genoux. Dans le saint lieu, le sang coule, le sang de chez nous. Le pasteur s'offre en victime pour tout son troupeau. Il s'avance l'air sublime devant ses bourreaux. Dès la première parole, il est massacré. Du ciel descend l'auréole sur son front sacré. Du coup, la résistance reprend, dans la clandestinité cette fois. D'une colline à l'autre, les ailes des moulins à vent se mettent à lancer des messages secrets. Et chaque nuit, dans le hallier vendéen, les chants des rebelles appellent à la chasse aux bleus, la chasse aux loups. Où donc vas-tu, si bon matin, où donc vas-tu, mon Corentin ? Tous nos gars ont pris rendez-vous, tio, tio. Pour aller à la chasse au loup, tio, 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 tio. Pourquoi donc n'as-tu pas au pied tes lourds sabots de châtaignier, mais tes fins et légers souliers? Nous aurons à forcer les loups, tio, tio. Chaussés de bons souliers à clous, tio, 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 tio. Mais pourquoi donc as-tu cousu sur ton cœur le cœur de Jésus, mis ton chapelet par-dessus? C'est qu'avant de tracer les loups, tio, tio, il fait bon se mettre à genoux, tio, 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 tio. Souperez donc vous dans les bois, qu'à ta boutonnière je vois ta vieille cuillère de bois. Après avoir chassé les loups, tio, tio, nous mangerons la soupe au chaud, tio, 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 tio. Mais quoi vas-tu chasser ainsi avec ce couteau que voici, sans emporter ton vieux fusil? Ne sais-tu donc plus que chez nous, tio, tio, c'est au couteau qu'on sert les loups, tio, 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 tio. Adieu donc mon beau Corentin, va t'embusquer dans un ravin, au fond du hallier vendéen. Quand la nuit hurleront les loups, tio, tio, fais ta prière et pense à nous, tio, 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 tio. Oui, les loups. Les armées des Bleus contrôlent maintenant toute la Vendée. Mais leurs convois comme celui-ci ne peuvent circuler sans escorte, comme en pays ennemi. La plupart des grands chefs vendéens sont morts. Après Catelineau, Bonchamp et Lescure tués au combat, Delbé a été pris à Noirmoutier et fusillé. Mais il en reste encore trois, La Roche-Jacquelin, Charette et Stofflet, qui battent la campagne avec quelques milliers d'hommes. Assez pour que les Bleus et constamment peur de les voir surgir soudain derrière les haies du bocage.
quartier. Les atrocités répondent aux atrocités. De chaque côté, on ne songe plus qu'à tuer pour tuer. C'est au cours d'une de ces escarmouches que La Roche-Jacquelin, Monsieur Henri, le héros le plus populaire de la guerre de Vendée, tombe à son tour, frappé d'une balle en plein front, à l'âge de 21 ans. Et pendant ce temps, la terreur sévit dans les villes. À Nantes, le représentant en mission Carrier invente un nouveau supplice, la noyade, pour se débarrasser des 20 000 suspects vendéens, chouans, prêtres réfractaires, femmes, enfants, vieillards, qui encombrent les prisons. Avec un humour sinistre, le député Benabène écrit à Paris « Si ces brigands se sont plaints quelquefois de mourir de faim, ils ne pourront pas se plaindre qu'on les ait fait mourir de soif. On en a fait boire aujourd'hui 1200. » Mais Carrier n'est qu'un exécutant. À Paris, Robespierre l'incorruptible défend impitoyablement la République contre tous ses ennemis, du dedans et du dehors. Son ami Saint-Just, qui à l'âge de La Roche-Jacquelin organise la lutte contre l'étranger. L'Anglais est à Marseille, à Toulon, à Dunkerque. L'Autrichien en Belgique, en Alsace, dans les Ardennes. Il faut sauver la République à n'importe quel prix. La terreur dévore pêle-mêle ses adversaires et ses propres enfants. La reine Marie-Antoinette, le chimiste Lavoisier, le poète André Chénier, des généraux malheureux, des députés hésitants. Il n'y a plus qu'une seule loi. La loi du sang. C'est la période qu'on appelle la Grande Terreur dans l'histoire de la Révolution, c'est-à-dire... C'est une période extrêmement violente du point de vue de la répression. Mais comme vous le savez, Robespierre tombe en juillet. Le 9 Thermidor 1794, il tombe d'ailleurs victime de ses succès parce qu'il tombe quand il n'est plus nécessaire. L'étau extérieur est desserré, la France est victorieuse après Fleurus en juin 1794, la Vendée est matée, par conséquent la Révolution française d'une certaine manière et la Convention très précisément n'a plus besoin de la dictature robespierriste. La France a donc, la France révolutionnaire souffle donc après le 9 Thermidor. Et s'ouvre à ce moment-là une période de reflux du mouvement terroriste et de relative réaction contre les excès terroristes. Par exemple, après quelques mois, le noyeur de Nantes, Carrier, est mis en jugement. Une tolérance religieuse plus ou moins officieuse s'installe. L'amnistie est bientôt votée pour la Vendée, si bien que ces mesures politiques atténuent en grande partie les raisons du conflit. Atténuent sans les faire disparaître parce que la guerre continue de façon endémique. Elle continue notamment dans le marais vendéen, c'est-à-dire à l'ouest de la Vendée avec Charette. Oui, la Vendée n'en finira pas de mourir. En février 95, la Convention lui a offert le pardon. Charette accepte, signe la paix, et défile, coiffé de son plumet légendaire dans les rues de Nantes où on crie ce jour-là « Vive Charette et vive la République !» Mais trois mois plus tard, la guerre reprend, avec le débarquement d'une petite armée d'émigrés qu'une flotte anglaise dépose à Quiberon. Trop tard, le nouveau commandant en chef, le général Hoche, écrase cette tentative dans l'œuf. Quant à Charette, il est poursuivi, de part et d'autre, harcelé par les colonnes, dont celle du l'adjudant général Travaux, qui, avec 300 hommes, veulent capturer ici, devant cette croix. Ce sont des chasseurs à cheval de la Vendée, des volontaires du pays et des chasseurs de la montagne qui vont réussir à s'emparer de lui. Ce ne sera pas sans difficulté, mais Charette n'en peut plus. Il est blessé, il s'écroule. Très vite, il est emporté dans la cuisine du château de la Chaboterie, allongé sur la table où on va le soigner. Après un interrogatoire, il part vers Angers, puis vers Nantes, où il sera fusillé le 29 mars 1796 sur la place des agriculteurs. La fin finalement de cette guerre, la fin définitive, la pacification dernière, c'est probablement celle du premier consul, de Bonaparte, qui n'interviendra d'ailleurs pas tout de suite, qui interviendra au moment du Concordat en 1801.
au moment où se fait l'accord entre la Nouvelle-France post-révolutionnaire et le Vatican, et où, au fond, est effacée la constitution civile du clergé, qui avait été une des raisons fondamentales de la guerre de Vendée. À ce moment-là, la Vendée retrouve ses prêtres, retrouve sa liberté de culte, et ce qui montre bien d'ailleurs que ça avait été une des raisons principales de la guerre, c'est que c'est le Concordat qui, finalement, probablement pour l'histoire, marque la fin de cette guerre de Vendée. Ces braves gens avaient versé leur sang pour une cause qui semblait valable, qui semblait juste pour eux, et ils se rendraient modestement chez eux, tout au moins les survivants. Car il y eut quelques 5 à 600 000 morts, sans compter les invalides, les infirmes, les malades. D'ailleurs, c'est un symbole que j'espère nous ne reverrons plus jamais, car rien n'est si terrible que ces guerres civiles, qu'elles soient en France comme nous l'avons vu, qu'elles se passent ailleurs. Yeah.